Thank you.
On a tout fait juste. Thank you.
Allez, bien.
tous d'être venus à cette journée, à ce play-off. C'est déroulé dans un bon état d'esprit, l'ambiance était assez sympa. Enfin, pour ma part, certains se sont perdus, il reste nul, mais bref. Hein. Je vais dire quelque chose. Bon, bah, la saison, elle est finie maintenant, une fois, c'est sûr. La saison s'est bien passée, tout le monde, j'imagine. Si vous êtes là, c'est qu'elle s'est bien passée. Après, vous serez l'année prochaine en Gale League, ça. On attend un peu l'action du 15 mai qui déterminera qui choisira d'aller au bout de cette partie. Enfin, on va directement à partir des résultats. On va aller à l'apéro. À la bouche pleine, j'ai beaucoup mangé. Merci Hiverdon pour l'organisation. Merci Hiverdon pour la buvette. Merci. On commence direct par la 4e ligue, 6e Guéran. Bon, ils sont déjà repartis. Hein. Ouais. 5e Duflon 2. Quatrième, et ça c'est une belle surprise parce que le BC Belmont était en 5e ligue l'année passée. Ils ont décidé de franchir le cap, de venir en 4e ligue. Et ils arrivent à se qualifier pour les playoffs. Donc je les félicite, ils finissent 4e. Alors, ils m'ont dit qu'ils cherchaient un entraîneur junior. Pour l'année, exact. Pour la saison prochaine. Du genre de Lausanne. Il y a des jeunes étudiants qui veulent aller donner quelques cours à Belmont si jamais. Ça, je dis bien. Vous pouvez venir vers nous. Oui, ils font de l'apéro aussi. Oui. Ah, c'est bon. Vous êtes plus pour la troisième mi-temps. Troisième, BLA 7. Deuxième est promu en troisième ligue, Luc 7. Et le champion de quatrième ligue est Verdon 5. Bravo! Cacher un autre, hein. C'est BLA 4.
Voilà, la journée.